Oui, Astrid. Tu te souviens, Bertrand Tassard. Bertrand Tassard, Terminal S. Je vous ai préparé un micro-cravate très discret, mais ne le tripotez pas pendant votre encart. Gus, je vais me débrouiller tout seul cette fois-ci. Tout seul, c'est-à-dire? Tout seul. Très bien, soldat. Allez vous empaler sur votre ex. Je crois que je préfère pas voir le carnage. Vous allez dans quel café? Gus. Le 8. Est-ce qu'il est con, ce con? Ah non, pas ça. Je sors pas beaucoup de chez moi. Je regarde beaucoup les séries. Remarque, dans Game of Thrones, y a pas un mec bien, hein. À part le petit. Et encore. Si. Remarque. Non, il est pas bien. Finalement, rien n'a changé depuis Mad Men, hein. Les hommes se croient tout permis, non? On cherche tout un Don Draper. Mais en réalité, il n'existe pas. C'est un usurpateur. Enfin bref. De toute façon, que ce soit dans Columbo, Les Anges de la Télé-Réalité ou Gossip Girl,
Et les mecs, ils se prendraient une balle dans la tête que ce serait pas volé. Hein. Et là, le gars, il me dit « Tu cherches pas de mec, tu cherches pas de cul, tu me laisses pas en placer une. C'est pas sur Tinder que tu devrais être, c'est chez le psy. » Mais c'est odieux quand même, non? Ok, ok. Changement de stratégie. Souriez. Je vous entends pas sourire. Il est même pas là. Entendez-vous? Vous savez que c'est sexiste de demander à une femme de sourire? Souriez. Oui, voilà. Ah. Je suis infirmier. Ça me plaît. De manière générale, j'aime bien aider les gens. Ouais, il est un peu chiant, mais il est gentil. Dites-lui que vous aimez bien être aidé. J'aime bien être aidé. Tu veux qu'on se montre des photos? Je trouve ça plus sympa comme manière d'apprendre à se connaître. Oui, oui, dites oui. Alors, là, c'est ma tante Anina. Là, c'est mes deux neveux, Sam et Alexia. Mignons, ils sont mignons les neveux. Ils sont mignons. Là, c'est ma cousine. Là, c'est mon beau-cousin. Il est allemand, mais il est gentil. Mais intéressez-vous, bordel! Fais voir. Ah! Alors, là, c'est j'étais DJ pour un anniversaire. Je t'ai dit que j'étais DJ, d'ailleurs. Le bâtard! Ouais, enfin, je me débrouille plutôt pas mal. Le bâtard! Qu'est-ce qui vous arrive? Bertrand! Non, moi c'est Mousse, mais si tu préfères m'appeler Bertrand, moi ça me dérange pas. Putain, mais vous m'aviez dit qu'il se morfondait, qu'il était au fond du gouffre. Et là, il se morfond au fond de la bouche d'une ratasse. T'as un ami imaginaire, écoute, moi aussi, je me sens seul. Oh. Ok, fin de mission, retraite. Mais tu veux qu'on se rappelle que... Ok, c'est moi qui te rappelle. Entrez, il est pas là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Gus? J'ai les rideaux. Bon, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Gus? Vous m'aviez juré qu'il lousait. Ah, il lousait, oui. Maintenant, il est passé à autre chose. Mais c'est quoi son nom? Vous savez que je me suis renseignée, hein? J'ai encore 4 ans, si je veux porter plainte contre vous. Pour harcèlement au voisinage. Article 9 du Code civil, chacun a le droit au respect de sa vie privée. Je ne céderai jamais au chantage. Vous l'aimez bien? Astrid? Non. Astrid? C'est bien, on progresse. Petit nom de poufias, mais bref, passons. Et quoi d'autre? Je ne sais pas pourquoi vous me posez ces questions, tout est sur son Instagram. À la Astrid? À Bertrand. Bertrand a un Instagram? C'est-à-dire que quand on a une petite copine comme ça, ça serait complètement con de pas la montrer à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de lui? Et c'est quoi ces nouvelles lunettes? Et depuis quand il aime les légumes, hein? Vous voulez que je vous dise? Je leur donne pas à moi. Ça en fait 6. Bon. Ok. C'est sûr, allez. Les canons? Les canons, mais à part ça? Ce qui compte dans la vie, c'est le charme. Et elle, qu'est-ce qu'elle a à rajouter à son corps de rêve? Eh ben rien. Même son sourire, là, il est parfait à la base, mais on voit pas l'âme. On voit le dentifrice. Alors, elle est canon, ok? Mais en vrai, elle est moche. Putain, mais quel connard. Comment il a pu draguer une fille pareille? Vous savez que c'est mon boulot qui a payé, hein? C'est grâce à moi, tout ça. C'est moi qui l'ai éduqué pendant des années. Hein. À lui apprendre à changer les rouleaux de PQ, à bien faire les cunis, à bien faire les pâtes. Et on partait loin. Et je parle pas des pâtes. Et maintenant, monsieur se tape des filles. Non, mais c'est vraiment, mais c'est... injuste. Vous l'avez stalké? Bah évidemment, vous me prenez pour qui? Et alors? Bah rien. Comment ça rien? Pas de compte Facebook, pas d'Instagram, rien. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est une vieille photo de classe sur Copain d'avant. C'est tout ce que j'aime.